Et bonsoir tout le monde. Salut, Bonsoir, salut à tous. bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue sur le sixième épisode Ouais. C'est après le 5, quoi. de DLEDMP Live. Bienvenue. Et voilà. Voilà, c'est fini. Allez, bonsoir. Voilà, merci, merci d'être venu, bonne soirée. Bravo, c'était super, c'était génial. C'était intense, hein, ce soir. Ouf, c'était. Oula. Ah, qu'est-ce qu'on a tchatché, hein? Attends, je vais mettre un petit message sur le chat, sinon ils vont vraiment croire qu'on s'en va. Non, non, on est tous. Non, restez, Revenez, c'était une blague. revenez! C'était une blague. Non, non, ça va, la team premier degré, elle est sur Youngtimer, ça n'est pas ici. Ah bon, Oh, ça va. ça dépend des fois. Donc voilà, donc ben, de retour après une Au semaine. programme ce soir. Alors, De retour, ouais. Au programme ce soir. Ah ben, qui c'est qui a le sommaire? Quel sommaire? Alors, bon, déjà, vous avez reconnu l'équipe hein, qui est là. Ah ben oui, c'est oui, Et pas, l'équipe. demande-leur. Vous avez reconnu qui? Allez. On t'est Allez, à la reconnu, voix, ouais, en tout voilà. cas. À la voix. Ben, il y a Greg, c'est moi, déjà. Greg, Alex. Salut, salut. Julien. Mickey Mouse, c'est moi. Y a Martin. Et Martin qui est avec nous. Bonsoir. Ouf, t'as la voix de Barry White. On essaye, on essaye. Bonsoir. Alors. Bonsoir, Martin. Ça, Bonsoir. c'est moi. Bonsoir. Là, j'ai pas de mots, là, je trouve que Pascal Sevran, peut-être. Oh putain. Bon, alors, au programme ce soir, de quoi on va parler? En fait, j'étais un peu absent, j'avais un mauvais retour, et puis ça y est, en fait, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de couper le son. Ah bah voilà, c'est pour ça. Bah Tout voilà, est non rentré mais dans c'est l'ordre, ça. je commençais à perdre connaissance. Bah, je crois qu'il y a C'est Tim, balou. je crois qu'il y a Tim qui est là, non? Oui, il y a Ouais. Tim Il est là. qui nous écoute là ce soir. Voilà. Bah écoutez, on va commencer là, on va un peu s'énerver au début de l'émission. C'est pour ça qu'on est tranquille au début, parce qu'on va s'énerver. Voilà. On va revenir sur. Bon, vous C'est le avez vu, calme avant la tempête. on est encore entre nous ce soir, hein, l'équipe des LEDMV, donc sur la place. On reviendra avec un invité normalement à partir de la semaine prochaine. Un jour. Logiquement. On va attaquer ce soir donc avec deux infos là, qui vont bien nous mettre en forme pour le reste de la soirée. Déjà, on va parler du circuit d'Albi. Je sais pas si ça vous parle, je sais pas si vous avez suivi un peu Ah oui, les news. Albi, sa basilique, son circuit, Voilà. Ouais, Oui, donc quoi, en fait, son Tarn. ben, le circuit était géré. Donc on voit les photos là avec ce qu'était le circuit en 1962. Et puis bah, bien entendu ce qu'on en a fait aujourd'hui, hein, donc des coûts immobiliers où les mecs ont profité de la proximité du circuit pour faire construire, acheter des terrains pas chers, enfin le Non, je vais revenir un peu classico, plus hein. tard. Voilà. Et ben, on se retrouve donc aujourd'hui avec une association de riverains qui a porté plainte contre le promoteur du circuit et qui vient d'avoir gain de cause pour une histoire de bruit. Enfin, ils viennent de se rendre compte que d'habiter à côté d'un circuit, ça peut éventuellement engendrer des nuisances sonores. Ah bon? Alors moi, j'ai pris le temps de bien me renseigner parce que j'avais entendu parler d'une histoire de 12 jours où on nous disait qu'en fait, il y avait un deal. Parce qu'avant, le circuit donc était géré par la mairie, appartenait à la mairie. Et depuis 4 ans, il a été repris par une société privée. Donc, bah, qui dit société privée, le mec n'a ni subvention ni aide. Hein, le gars, il doit se démerder pour rentrer sa thune. Donc, bah, le Donc, gars, rentabilité. voilà. Donc, le gars, bah, il a développé, il a investi et bah, il a fait des journées. Donc, effectivement, avant, le circuit n'était pas trop exploité. Il y avait, je crois, trois ou quatre courses nationales et puis plus après, quelques événements un peu à la con. Donc, et puis là, bah, maintenant, le mec, il a quasiment 200 jours d'activité, voire même 300 jours d'activité par an. Donc, Ah le ouais. truc qui tombe plutôt pas mal. Eh Et les oui. riverains, donc, ben bien entendu, maintenant veulent la peau du propriétaire du circuit, rajouter là-dessus une tendance nauséabonde politicarde de mes deux, bien manipulée par des écolos qui manifestement n'ont rien d'autre à foutre. Donc, ben le circuit était condamné.
Alors, je me suis renseigné sur ces fameux 12 jours, parce que bon, les gars disent qu'en fait, le circuit ne pouvait être exploité que 12 jours par an. C'était une dérogation. En fait, c'est ce que racontent les écolos. Donc moi, au début, je me suis dit, bon, je me mets un peu aussi à la place de ces gens-là. On leur a dit, vous pouvez acheter les maisons, vous inquiétez pas, le circuit, ce sera pas plus de 12 jours d'activité par an. Mmh. Et puis, bah, du jour au lendemain, tu te retrouves, donc tu dis, bon, ça peut être normal que le mec, on lui a un peu faussé la donne, donc il gueule. En fait, non, c'est 12 jours, comme expliquait le propriétaire du circuit. Tu as le droit d'utiliser le circuit tous les jours, sauf que tu as une règle qui dit que quand tu as un circuit de bagnole, tu n'as pas le droit de dépasser les 95 décibels. Sauf dans tous cas, donc exceptionnels, qui souvent sont assujettis à une course de championnat, etc. Ou là, sur des cas particuliers, tu as le droit 12 fois dans l'année. C'est un peu comme les concessionnaires qui ouvrent le dimanche. Donc, ah oui, d'accord. Le concessionnaire n'a pas le droit d'ouvrir le dimanche, mais la préfecture, en début d'année, lui donne tant d'autorisations qui lui permet de faire cesser. D'ailleurs, c'est pour ça que vous constaterez que souvent, quand les concessionnaires sont ouverts le dimanche, ils sont tous ouverts, parce qu'à partir du moment où il y en a un qui ouvre, il fait péter les autorisations des autres. Donc, ils en profitent tous sur le même week-end. Donc là, en fait, voilà. Donc, je me suis rendu compte qu'encore une fois, c'est des écolos qui nous font chier. Faut voir aussi qu'au circuit, enfin, les 200 ou 300 jours d'activité qu'il y a au circuit, il n'y a pas que des bagnoles. Il y a des fêtes foraines, il y a des courses de vélo, il y a des courses pédestres, il y a des animations pour les petits, il y a des animations pour les vieux. Il n'y a pas que des courses de bagnole ou de moto, il n'y a pas que des trucs qui font du bruit. C'est ça le pire. C'est pas que des bagnoles. Ça condamne toutes les autres activités annexes du circuit qui ne sont pas forcément des trucs qui font du bruit et qui ne sont pas forcément des trucs qui font chier, quoi. Ça va surtout faire chier tous les organisateurs d'événements qui ont trouvé le circuit justement pour organiser des manifestations dans un endroit un peu qui sort de l'ordinaire et tout. Genre, j'étais les courses, je pense surtout aux courses pédestres, aux courses de VTT, fêtes foraines, machin. C'est toujours sympa d'être dans un cadre un peu différent, machin. Et ça condamne aussi ces gens-là. Eh oui. Donc ça condamne pas que, en plus, ça condamne pas que les fans de bagnoles ou de motos ou de camions, parce qu'il y a tout ça aussi. Mais ça condamne vraiment beaucoup plus, ça va beaucoup plus loin que rien que les bagnolards comme nous, quoi. Ouais, puis il faut dire aussi que Albi, tu lui enlèves sa cathédrale et tu enlèves le circuit, il y a trois pelés et un tondu, quoi. C'est sûr. Il n'y a rien du tout. Donc, Non, c'est sympa, c'est mignon, Albi. Non, faut pas dire ça, c'est mignon. Tu connais, oui, bah, j'ai salué les habitants 10 ans, d'ailleurs. Donc, oui. Ah, oui. Donc oui, je connais un petit peu Albi, c'est sympa comme ville, vraiment. Comment on appelle les habitants d'Albi, d'ailleurs ? Les Albigeois. Albigeois, Albigeoises. Ouais. Non, c'est sympa comme ville, Albi. Bonsoir à tous les Albigeois et les Albigeoises qui nous écoutent. Bah, s'ils arrivent à nous entendre, s'il n'y a pas trop de bruit au circuit. Non, à 18h, il fait. Ah bon, ça va. Ta meilleure vanne depuis les 6 émissions, Greg. Donc, je voulais commencer par ça, parce que au-delà d'Albi, et Tim l'a marqué dans les commentaires, c'est un peu la même chose à Montlhéry. Nous, là, du côté d'Avignon, bah, c'est pareil. Les deux noms, ils font chier. Donc il y a de plus en plus de circuits. Il ne faut pas oublier que le Mas du Clos a fermé. Il y a de plus en plus de circuits. J'avais fait un article comme ça. Tiens, faudrait que je me rappelle. Ouais. J'avais fait un article sur les circuits où justement j'avais déjà abordé un peu ce sujet-là. Et j'avais réuni un peu toutes les pétitions que j'ai trouvées pour sauver les circuits. Mais parce qu'il paraît que en Dordogne aussi, le circuit de Haute-Saintonge, aussi le circuit de Jean-Pierre Beltoise, là, qui est menacé aussi. Alors que là, franchement, pour y être déjà allé, c'est au milieu de rien. Bon, déjà qu'en Dordogne, il n'y a pas grand-chose. Mais en plus, là, c'est vraiment au milieu de rien du tout. Déjà, enfin, il n'y a aucune maison autour. Et quand même, les gens, ils arrivent à faire chier, quoi. Ouais, même mais. Ça me paraît incroyable, quoi. Honnêtement, moi, au début, quand j'ai lu les premiers articles qui ont tourné là-dessus, honnêtement, je me suis dit, bon, je comprenais les riverains. Voilà, moi, cette histoire des 12 jours, je me suis dit, bon, en prenant le temps pour pas, parce que bon, avec Internet aujourd'hui, il faut surtout bien se méfier de tout ce qu'on lit. Donc, je vous ai mis justement le lien dans les commentaires là, de la chaîne, d'un mec qui a, comment il s'appelle, je ne me rappelle plus, qui a fait un très très bon reportage là-dessus.
Honnêtement, prenez le temps d'Adi Gohite. Voilà, donc c'est un motard. Prenez le temps d'aller regarder son reportage après notre émission, hein, bien entendu. Mais voilà, le mec, il a pris le temps d'enquêter, de questionner les riverains, de questionner le propriétaire du circuit, de questionner les associations. Et honnêtement, non, encore une fois, tu te rends compte que, bon, faut être clair, c'est des vieux cons qui se font chier. Et comme ils n'ont rien d'autre à foutre, bah, ils vont faire chier les autres, quoi. Mais ça me fait un peu penser aux Parisiens qui arrivent en campagne et qui va se plaindre au maire que le coq ou la cloche du village sonne toutes les heures, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. Alors, il y a une loi qui est passée. Il y a un texte de loi qui est passé pour le patrimoine olfactif et. Enfin, quand il y a trop de cigales aussi. Ouais, voilà. Non, mais ça, justement, ça, les gens pourront plus se plaindre de ça. Non, mais ça, il y a un moment, c'est abusé. Patrimoine, quoi. Ah, bah, ouais. Voilà. C'est quand même grave d'être obligé d'en arriver là pour une poignée de trous du cul. Alors que, bon, tu sais, le parigo ou le touriste qui vient en vacances, une bonne claque dans sa gueule, ça le calme de suite, hein, sans obliger de faire une loi pour ça, quoi. Ben oui, parce que les cloches étaient là avant lui. Hein, et là, c'est pareil, le circuit, visiblement, il était là avant que les maisons arrivent. Donc, Il y avait déjà quelques baraques, mais enfin, ils le savent. C'est les mecs qui vont acheter à côté d'une voie ferrée, à côté d'un aéroport, et qui, 10 ans après, font une association pour dire « Ah, bah, attendez, les avions, ça fait du bruit. » Mais presque le mec qui vient de découvrir qu'il est con, tu vois. Bah, oui, c'est ça. Ouais. Après avoir profité pour acheter pas cher du fait, justement, de la proximité de quelque chose de nuisible. Oui, c'est ça. Une fois qu'ils sont installés, qu'ils ont fait leur coup, ils se font un peu oublier, et puis ils sortent du bois... Pour faire tarir la source du bruit et taper une parce qu'en même temps, le mec il se dit il va gagner 50 000 euros sur sa maison une fois que le circuit l'aura fermé. C'est de la cupidité en fait, finalement. Bah, c'est ça. Tu te dis qu'au final, battre pendant 10-15 ans, il va faire chier le monde, mais au final, il va se prendre 50 000 balles sur sa baraque et puis voilà. Mais le pire, c'est que si le circuit ferme, le mec il va vendre. Bah oui. Il aura fait chier tout le monde pendant 20 ans, et une fois qu'il aura eu gain de cause, il vend sa baraque, il se fait sa plus-value, et il se barre ailleurs, quoi. Exactement. Voilà. Donc voilà, je voulais commencer par ça, parce que ça a pas mal buzzé sur Internet. Et je voulais enchaîner donc, sur une deuxième info qui est aussi bien énervante, et qui a un petit côté régional, donc avec Greg et Alex, en plus, ça nous touche un peu plus particulièrement, parce que c'est la région dans laquelle on habite. Moi qui ai toujours dit que dans le sud-est, le soleil l'été leur faisait fondre les neurones et le Mistral les envoyait un peu loin de leur tronche. Ouais. On a encore la preuve. Donc là, on a l'ABM, donc la série 4, qui a été prise en photo par... alors attendez, je vais vous dire, hein, c'est pas n'importe qui. C'est le président du directoire de BMW France qui a fait une photo donc, de la nouvelle série 4 devant l'affiche, donc là, le monument qu'ils ont fait donc, suite aux attentats, c'était le 15 août, c'est ça qu'il y avait eu ouais, 14 juillet. Non, 14 juillet. C'est pour le mois de juillet. Ouais, oui, c'était 14 juillet. Ouais, c'était pour le feu d'artifice 14. Du 14 juillet. Ouais. 14 juillet, il a fait une photo là-dessus. Il y a Peugeot aussi qui a publié une photo de la nouvelle 3008 hybride où la photo a été prise sur une rue pavée à Marseille. Là, c'est sur un trottoir. Là, sur la photo qu'on voit, c'est un trottoir en fait. Ils se sont récupérés, mais les mecs, ils se sont fait descendre parce que, soi-disant, il n'y a pas le droit donc de circuler sur le trottoir. Bon, faut être clair, le mec, il a monté la bagnole, il a fait une photo et ils sont repartis, quoi. Et parce qu'à Marseille, donc, pareil, cette photo faite avec le 3008 hybride a été faite, donc, apparemment, sur une rue piétonne. Donc, le véhicule n'avait rien à y faire. Voilà, on le voit. Alors, ça, mais pareil, encore une fois, les cyclistes, les écolos, les bobos, tout le monde leur est tombé dessus. La mairie de Marseille, alors là, moi, je suis très peu étonné, mais avec son flegme et son sérieux tout méridional, ils ont débarqué à dire, oh, putain, mais je ne sais pas d'où elle vient la photo. Tu sais, genre, à Marseille, tu fais passer des photos sans avoir une autorisation, tu vois. Et Peugeot, c'est dans leur habitude de se pointer, ils le font à l'arrache et ils se barrent. Non, Peugeot a dit, mais attendez, nous, si on a fait ça, c'est parce qu'on a contacté la mairie, le service adéquat, on a eu les autorisations écrites, on a tout eu. La mairie de Marseille a dit, ah ben nous, on ne sait pas ce qu'on en a fait. Tu m'étonnes, ils devaient tous en train de boire l'apéro, ils n'ont même pas dû s'en rendre compte. Ah oui. sachant qu'en plus de ça, en 2019, Kia avait fait une présentation presse au niveau du parc des calandres.
Les calanques. Ah ouais. Calandres. Je connais pas, ça doit être sympa. C'est la plage du Cap Rouge, à côté. Et faut que je change la mienne, donc. Leur a demandé de retirer toutes les photos parce que le parc des Calandres aujourd'hui est un. Les Calanques. Qui tient. T'as un problème avec ta calandre ou c'est quoi le souci là ? Non mais ouais, très bien. Hein. Mais non, le parc des Calanques donc est un lieu protégé et que il aurait fallu donc ils ont demandé à ce qu'on leur paye un droit à l'image pour pouvoir. Alors c'est vrai que moi souvent avec les potes journalistes, il y a pas longtemps aussi, il y a un ou deux ans, j'avais des potes qui étaient parce que souvent les FC Presse ils viennent les faire dans la région là. Oui. Donc sud du côté de Nice, dans le Var, dans le Haut Var, moi je suis ici là entre le Ventoux, Saint-Rémy de Provence, les Baux de Provence, c'est aussi souvent qui viennent par là. Et de temps en temps, les mecs s'arrêtent parce que bon, il y a des propriétés vinicoles, il y a des trucs sympas. Les gars s'arrêtent pour faire des photos. Et je me rappelle, il y a deux ans, je me rappelle plus, je crois que c'était Paul justement de Boîtier Rouge qui s'était arrêté pour faire des photos. Le mec s'était pointé avec un fusil de chasse. Et avait été à deux doigts de leur tirer dessus pour encore une fois des questions. Alors bon, ça me fait un peu marrer parce que l'été, moi là où j'habite, on a un domaine qui fait de la lavande. L'été, tu peux pas passer parce que tous les touristes s'arrêtent en bagnole, mais en plein milieu de la route pour se prendre en photo au milieu du champ de lavande. D'ailleurs, les mecs, maintenant, je vous mens pas, ils foutent des barbelés ou des clôtures électrifiées autour des champs de lavande pour pas se les faire piquer l'été. Et à côté de ça. Comme à Valençol, hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Ils détruisent tout avec leurs bus, les Chinois, tout ça. Mais ils arrivent en bus, ouais, ils arrachent. Ah ouais. Et à côté de ça, pour deux photos, là, alors, je suis allé voir justement sur les profils, sur les comptes Twitter, que ce soit pour Peugeot ou pour BM. Alors, la plupart des commentaires que tu as, c'est marrant, les mecs, ils sont en photo de profil où tu les vois assis sur un vélo. Ouais. Alors, justement, BM s'est amusé à publier cette vidéo quelques jours après avec le vélo et la trottinette. Donc, à la place de la BM. Le mec est retourné, il a pris cette photo, il a posté. Alors là, ça n'a fait aucun tollé. Pourtant, comme il expliquait, c'est tout autant interdit de se promener sur le trottoir, que ce soit en voiture, que ce soit en vélo, que ce soit en trottinette. Bon, mais bon, vélo, trottinette, c'est toléré. Bagnole, c'est interdit. Puis il faut surtout voir les commentaires. C'est hallucinant. Mais est-ce que c'est pas par rapport à l'attentat de dire que c'est comme un 4 roues, que ça peut perdre le contrôle ou... Non, c'est juste que c'est une bagnole. Et puis, la voiture, ça tue les gens. Les mecs, ils te parlent du 3008 hybride comme un 4x4 qui démolit la nature. Sans rentrer dans les débats de l'hybride des machins, on les a eu déjà plusieurs fois. Mais c'est juste. Enfin, je sais pas. Moi, je suis effrayé par le côté débile, mais pas le côté débile comme on parle sur de l'essence dans mes veines, le côté débile à l'état pur. Voilà, il y avait une photo de Décathlon aussi, où on voyait les gendarmes sur la BAU avec les vélos. Ça, pareil, ça n'a jamais fait de scandale. Pourtant, je crois que c'est interdit de rouler sur l'autoroute à vélo. Enfin, tu me diras, le mec, il peut y aller, hein, mais je pense qu'il n'y arrivera pas à durer longtemps. Je pense aussi. Mais voilà, c'est juste ce côté débile, écolo, dans lequel on est en train de tomber. Je sais pas où aller, mais moi ça m'effraie et puis ça a tendance à bien m'énerver parce que comme on disait la semaine dernière, à côté de ça il y a rien qui... Ah oui, je voulais quand même en profiter, putain, s'il vous plaît arrêtez avec vos pétitions, j'en ai plein le cul des pétitions sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais signé autant de pétitions que depuis ces deux dernières années pour sauver les circuits, pour sauver les pingouins, pour sauver la boîte manuelle, pour sauver... Mais vous n'avez pas l'impression que la boîte, vos putains de pétitions, c'est du toucher rectal en barre. Est-ce que franchement, quand vous avez changé une pétition, vous avez vu quelque chose changer après? Pas forcément, non. Walou, que dalle. Voilà. Donc arrêtez avec vos putains de pétitions. Il y a 50 sites de pétitions. En plus, tu as un mec qui le signe, il le partage de tous les côtés. Tu as l'impression que les mecs s'achètent une bonne conscience. Voilà. Moi, je vous le dis franchement, vos pétitions, ça ne sert absolument à rien. Vous pouvez être 5000 ou 35000 à signer. Quand ils ont envie de nous la mettre, ils nous la mettent et jusqu'au fond, quoi. Bah, le problème, c'est qu'au départ, ça partait d'un bon sentiment, tu vois, de faire un site de pétition qui simplifie. Ouais. Mais bientôt, t'as des mecs qui font des pétitions parce qu'il n'y a plus de frites à la cantine. Au bout d'un moment, tu sais, ça veut plus rien dire, quoi. T'as des pétitions pour tout et n'importe quoi, tu sais, parce que t'as le chien du voisin qui fait pipi sur ton palier. Tu fais une pétition parce que. Que t'as envie de lui arracher les poils, non mais c'est au bout d'un moment, faut arrêter, c'est n'importe quoi, ça devient n'importe quoi. Je conjure tout ça un peu, tu sais, comme les pièges des réseaux sociaux. Les gens aujourd'hui ne descendent plus dans la rue,
ils gueulent sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est un putain de système à la con où tous les pseudo-révolutionnaires se défoulent là-dessus. Ils sont persuadés, ils se donnent bonne conscience en se disant « Ah, j'ai passé le message. Ah. » Tu sais, c'est comme la pétition. Ah, j'ai... Mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils se sont fait complètement bouffer par le système parce que les réseaux sociaux, ça ne sert à rien. Tu peux gueuler tout ce que tu veux sur les réseaux sociaux, ça restera sur les réseaux sociaux, quoi. Et comme aujourd'hui, sur la plupart des réseaux sociaux, tu as 70% des gars qui ne font que ça, que de gueuler. À un moment, je veux dire, ça sert plus à rien, quoi. Mais c'est un bon exultoire, tu vois. On a trouvé ça pour que les gens, quand ils gueulent sur les réseaux sociaux, on les maîtrise bien et au moins, ils ne descendent pas dans la rue, quoi. Ouais. Non, puis, après, c'est vrai que c'est énervant à force d'en bouffer toute la journée. Je partage un peu ton opinion, tu vois. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les réseaux sociaux et Internet, tu as quand même un effet miroir déformant, quoi. T'as des minorités qui ouvrent grave leur gueule, qui font du lobbying, qui occupent le terrain, et du coup on a un peu trop tendance à croire que c'est l'opinion publique en fait. Mais non, ah, ça mais reste ça, une minorité. Voilà, exactement. On en revient toujours à la même chose. Ah, tout le temps, les ultras qui épident à rien, ça c'est obligé ça. De l'écolo à la con qui roule en trottinette électrique, qui mange du quinoa et puis qui lit des articles sur la pédophilie dans l'IB, c'est pas la majorité des Français, mais pourtant ils font beaucoup de bruit, tu vois. C'est vrai, les réseaux sociaux, c'est un peu ça. Moi j'ai toujours dit, les réseaux sociaux, c'est comme les églises, hein. C'est les cloches les plus grosses qui font le plus de bruit. Hein. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, malheureusement, la majorité silencieuse, on la voit, quoi. Hein. C'est vraiment la minorité débile et teubée qui ouvre sa bouche, quoi, la plupart du temps. C'est exactement ça. Les conversations de bistrot mises sur place publique. Enfin, bon, vous avez vu que sinon, Sébastien Ogier a gagné le Monte Carlo. Oui. Donc, pas le Monte. Il n'y avait pas beaucoup de Carlo. Il y avait beaucoup de Monte, ouais, mais je n'ai pas vu beaucoup de Carlo. Sans public. Hein. Alors justement, on fait un petit appel parce qu'on nous a parlé d'un magazine qui avait sorti un numéro spécial avec toutes les spéciales du Monte Carlo, justement. Ils ont le défunt. Ouais, alors ils ont lancé un appel parce que tous les lecteurs qui avaient acheté leur magazine, apparemment, sont toujours postés à côté des routes et attendent toujours les voitures. Parce que bon, comme les spéciales, depuis qu'ils ont fait le magazine et le moment du Monte Carlo, le programme a changé 4 fois et que les spéciales ont été modifiées. Donc voilà, si vous voyez des petits vieux dans le 04, le 05 ou au-dessus du 06 se promener sur les petites routes, arrêtez-vous, doute-leur, tu peux rentrer chez toi, le Monte Carlo, c'est déjà fini. Hein. C'est juste que le magazine que tu as acheté, à part allumer le feu, il est bon à pas grand-chose. Quoi. Mais il paraît qu'ils vont se recycler. Ils vont se recycler dans la recherche de champignons au bord des routes, finalement, le magazine. Oui, finalement, ils ont eu plus de chances de trouver des champignons que de parler de sport auto. Au limite, c'est là où il serait le mieux, effectivement. Enfin, bon, d'ailleurs, on fait un petit pompé-lup, un nouveau magazine qui arrive dans les kiosques et je leur souhaite plus que bon courage, qui s'appelle VHC Magazine. Donc qui va parler de tout ce qui est course historique. Voilà, donc on les soutient de tout cœur et je lui souhaite vraiment bon courage parce que ils vont en avoir besoin, à mon avis. Il y a du lourd en face. Et est-ce qu'ils parleront de la concurrence au circuit d'Albi? Ça dépend si le circuit est toujours ouvert, en fait. Ils en parleront mais à voix basse, quoi. Voilà. Ça dépend si tu mets un centre de vaccination du Covid, je suis sûr que tu vas avoir du monde. Hein. Ouais, c'est ça qu'ils ont dit avec des vieux. Ah bah oui. Idiot. Ouais, bah attends. Voilà, attends, qu'est-ce que tu crois, toi? T'as trouvé la solution, ouais. C'est bien. Voilà. On a le remplaçant de Véran au ministère de la Santé. Bah tiens, qu'est-ce que tu crois, toi? Putain, je sais pas. Franchement, moi, on me proposerait le poste, je sais pas si j'irai. Hein. Ah, c'est casse-gueule, ça, à mon avis. Ouais, non. Ouais, mais je crois que j'ai pas le niveau, en fait. Ça, l'éducation, c'est casse-gueule. Bon. Non, mais peu importe, n'importe quel poste, tout là-haut, c'est casse-gueule. Après, bon, la place doit être bonne, hein, s'ils se battent tous pour y aller. Attends, faut être clair, les mecs, ils y sont pas pour une mission, ils y vont pour s'en foutre plein les poches et pour les privilèges. Quoi. Bah oui, bien sûr. On fait vraiment une aparté à côté de la bagnole, vous avez pas vu ce petit restaurateur qui a été invité la semaine dernière sur une émission là, qui parlait des restaurants, comment ils appellent ça, qui ouvrent, mais sous le manteau, là. Mais il n'y a pas que ça, il y a des épiceries aussi. J'en ai entendu parler, mais voilà. Vous n'avez pas vu ? Donc, il y a des journalistes que ça a, qui ont dit, tiens, on va essayer d'en trouver un, et puis on va aller voir. Les mecs, ils ont trouvé un resto, donc il ouvre son arrière-salle. Les mecs, ils sont rentrés, il y avait des flics et des députés qui bouffaient là le midi, quoi.
Non. Vive l'exemple. Ah, mais c'était formidable. Mais ça te montre encore une fois la République bananière dans laquelle on vit, quoi. Donc, le deux poids, deux mesures, quoi. Les mecs, ils sont restés comme des cons. Il y avait des flics, des gradés, tout ça. Ils ont vu des députés. Le resto, en plus, il paraît qu'il est juste derrière l'Assemblée nationale. Ah, bah, tu m'étonnes. C'est leur cantine. Ah, ouais, non, c'est formidable. C'est formidable. Bon, allez, on enchaîne avec. Parce que bon. Mardi dernier, je vous ai parlé d'une 205 GTI. Je sais pas si vous vous rappelez, une 4 portes. Oui. Fait un post sur Internet. Ben, voilà, je vous ai trouvé la photo. Donc, voilà, c'est la fameuse dont je vous parlais mardi dernier. Où, donc c'est un groupe de youngtimers qui s'amusait à faire une modif sur Photoshop et ils l'ont publié. Et donc, ça pendant 4-5 jours, on a vu partir des théories à la mort moelleux sur. Ah, ça a dû tchatcher. Ah, c'est dommage, je l'ai raté parce que ça m'aurait bien fait marrer. Quoi. Bon, on dirait une 309, quoi. Putain, mais en trois volumes en plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a même un gars qui a réussi à trouver une photo, je ne sais quoi. En disant qu'elle avait été fabriquée en Ouzbékistan, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et on puis bon, un arrière de l'X chinoise. Au bout de 4 jours et 14 500 commentaires, ils ont dit que, bien entendu, c'était tout du chiquet, que c'est eux qui avaient fait. Et même en disant que, c'est ça que j'adore moi sur les réseaux sociaux, même le mec en disant que c'est faux, il y a encore des gars qui ont débarqué pour leur expliquer que non, c'est vrai. C'est la 205 de Borat, oui, c'est ça. Ah ouais, non, les mecs, ils sont épuisants. Donc voilà, comme je vous en ai parlé la semaine dernière, je vous ai peut-être mis là où la bouche. Elle est là, voilà, la 205 de Borat. Tant que c'est que l'eau, ça va. Bon, après, ben, écoutez, avec toutes ces nouvelles qui nous ont. J'ai une bonne nouvelle. Oui. J'ai découvert une marque de voiture qui existe quand même depuis plus de 10 ans. Ouais, non, depuis 2011. Ils ont sorti leur première bagnole en 2011. Et cette marque s'appelle Lucra. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai fait un article justement sur cette bagnole cet après-midi. Ouais. C'est un Anglais qui s'est expatrié aux États-Unis au début des années 2000. Et qui a voulu refaire une pièce avec l'esprit de la Secobra. Voilà. Donc, ce qui veut dire une pièce compacte, légère, avec les roues aux quatre coins, qui pèse que dalle, mais qui sort, comme s'amusait à dire Martin cet après-midi, qui doit pouvoir flirter avec un rapport poids-puissance négatif. Ah, c'est méchant. Il dégaine, n'empêche. Donc, il a repris un peu le style, justement, des Roadsters des années 60, notamment. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté... petit côté Jaguar aussi. Ouais, ben, la Jaguar, la Lister, la Knobly ou la Ginetta, la Ginetta G4. Ça me fait penser aussi à un autre artisan qui construit des bagnoles pas loin de chez moi, là. Ça me fait penser à la Devalier. Oui, après, la Devalier, elle est beaucoup plus carrée, un peu plus ancienne dans le... Je trouve que ça se ressemble quand même. Hein. Ouais. En bleu comme ça, on dirait une bagnole de Michel Vaillant. On dirait une Bugatti, non Les anciennes Bugatti de dessus, on aurait dit un peu. Elle est l'ouverture, c'est tout. Elle est cool. Le nom est acheté, par contre. Ouais, par contre, le nom, il gâche tout. Ouais, je te rejoins. Ça fait genre traitement pour les maux de la prostate. Hein, c'est ça. On dirait de la pommade pour les hémorroïdes. C'est Monsieur Lucra, c'est ça. Tu sais, quand ta femme elle va se coucher, tu t'as mis la Lucra là, dans la salle de bain parce que oui, c'est bon. J'en ai mis deux Lucra coups. 500, quand t'as mal au cul. Hein. Donc en fait, châssis tubulaire, carrosserie full carbone. Bon, malgré son style un peu vintage, on est sur du full carbone. Et sous le capot, bah, le mec, il propose trois moteurs. Ouais. Donc ça commence à 450 chevaux et ça se termine à 650 chevaux. Donc on est à 650 chevaux pour 907 kilos. Boîte manuelle 5 vitesses, donc c'est une Getrag. Boîte auto en option, mais ça on s'en bat les couilles. Et il y a une version donc qui n'est pas homologuée Roots qui monte jusqu'à 800 kg. Donc 800 kg, 907 chevaux, ça doit vraiment commencer à faire fouetter le fessier parce que il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de direction assistée, c'est une direction ultra directe, donc deux tours de butée à butée. Moi, je pense que ça doit quand même envoyer du pâté. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que je me dis, dans ce monde un peu à la con là, en ce moment là, dans la bagnole où on nous pète un peu les couilles de partout, il y a encore des mecs un peu ch'tarbés
qui continue de nous sortir ce genre de produit. Oui, ils ne présenteront sûrement pas sur la promenade des Anglais. Non. Elle ne monte pas le trottoir, celle-là. Non, lui, il ne peut pas monter. Alors, il faut savoir qu'elle est commercialisée en Europe. Il y a un importateur européen qui allait, elle est homologuée dans certains pays. Bon, pas chez nous, hein, faut pas déconner non plus. Pourquoi ? Mais du côté de l'Angleterre, du côté, je crois, de la Suède, du Danemark. D'ailleurs, je crois que l'importateur est en Suède. Je crois que les Allemands aussi, il y a une version qui est homologuée. Et voilà. Bon, le mec, après, il doit pas en vendre des masses. Hein. S'il doit en sortir 10-15 par an, c'est le bout du monde. Mais voilà. Puis c'est un Américain qui fait ça. Enfin, un Anglais exilé aux États-Unis. Donc, l'engin est plutôt pas mal. Maintenant, je vais vous poser la question à 1000 balles. Oui. Qu'est-ce qui est apparu dans un film ? Omar Sy ? Oui, non, ça. C'est un homme. Omar Sy, c'est pas une voiture. Ah, une caisse. Oui. Caisse en deux mots. Ah. Non, elle est passée dans un... On l'a vu dans un film, cette bagnole, que je pense on l'a tous vu, ce film. Alors c'est vrai qu'elle a fait un petit passage éclair, on ne la remarque pas forcément, mais surtout la couleur qu'elle a dans le film, elle est vert anglais, le fameux British Racing, avec Yvon John. Non, ce n'est pas un vieux film. C'est un film... Bah, attends, quel âge il a, ce film ? C'est une saga... C'est une saga qui tourne autour de... Dans un Fast and Furious, peut-être, non ? Ouais, dans un Fast and Furious. En fait, dans le 6, quand ils vont acheter les voitures aux enchères, hein, qui ramènent justement la Ford Escort MK1, la Mustang. Ouais. Elle fait partie des... Quand ils rentrent dans le local où ils font stocker les bagnoles, là, elle fait partie des 6 voitures qu'ils ont achetées. Donc, par contre, je ne vous en dis pas plus. Je vous en parlerai... un peu plus tard dans un article de l'essence dans mes veines. L'article, je l'ai terminé cet après-midi. Donc, je vous inviterai à aller le lire une fois qu'il aura été publié. Bon, ça rassure quand même ce genre de bagnole. Ouais. Bah, c'est beau, ouais. Ouais. Ça pourrait c'est être chouette. Sympa. C'est chouette. Ouais. Et qu'il se prend en hybride. Pas chez nous, mais c'est beau. C'est beau. En photo, c'est bien. Hein. Bah, moi, je ne suis pas sûr qu'on en revoie souvent des caisses comme ça. Ouais, pas chez nous, non. Ça, c'est sûr. Ou en électrique, si. Ils vont arriver à nous en faire des électriques. Ça ressemblera à de la belle caisse dehors et puis il y aura un aspirateur dedans. Ouais, exactement. Avec Dyson. Et Dyson, ouais. Mais il n'y avait pas un moment, Dyson, ils n'avaient pas parlé à un moment qu'ils voulaient justement lancer des bagnoles. C'est fort possible. Bah, de toute façon, alors, j'ai jamais tous, su si c'était un poisson d'avril ou pas. Je crois que c'était un poisson d'avril. Ah, peut-être, ouais. C'est Apple surtout qui va sortir une bagnole. Là, ils sont en train de travailler dessus. Mais Dyson. Alors, c'est un poisson d'avril. Ah merde. Mais je crois, hein, ou alors je confonds avec autre chose, mais. Ah non, moi l'article, il date... là je suis sur un article qui date du 17 mai. Révèlent la voiture. Ah non, mais en fait, la voiture, ils ont sorti. Ah d'accord, ils ont sorti un concept, mais ils n'ont pas prévu de la commercialiser. Une voiture avec un aspirateur dedans, non, c'est ça ? Ouais, c'est juste pour montrer. C'est la voiture qui aspire la route. C'est une voiture écologique, en fait. Tellement écologique, elle nettoie la route pendant que tu roules. Les merdes de chien, tout, elle aspire tout. Ouais, en fait, c'est une motocrotte. C'est une autocrotte. C'est ça. Elle aspire les... Je vois Tim, là, il m'envoie un texto, il demande si elle aspire les MILF. Bonne question. Greg est mieux placé pour le savoir avec sa voiture. Ah ben non, mais je vais la vendre, donc... c'est fini, merde, les MILF. Tu pourras plus choper de MILF. Ça y est, c'est fini, les MILF. Non. Oh non. Mais comment tu... Mais... Oh là là. Non, je vais choper autre chose avec ça. Bon, dans le genre de monstre bien débile, je vous ai trouvé aussi là cet après-midi, hier en préparant l'émission, le Dodge Durango SRT L4. Ah, ça, c'est pour choper aussi. À chaque fois que je vous cherche des infos, maintenant, c'est quand même dommage. Pour trouver des bagnoles un peu débiles, il faut aller de l'autre côté de l'Atlantique. Eh oui. Ils ont toujours été le grand spécialiste en même temps. Ah ouais. Alors bon, bien entendu, ils ont mis le moteur du L4 donc sous le capot du Durango. Donc le truc, il sort 707 chevaux. Enfin, moi, j'adore ces genres de caisses. Quoi. Ça sert à rien. Boîte 8 auto, mais surtout 0 à 100 en 3 secondes 5. Si, ça va, c'est bien. Ah ouais, c'est un truc de malade. Alors, en fait, je l'ai mis, c'est pas pour la fiche technique hein, que les Américains foutent des grosses V8 sous le moteur des SUV ou des crossovers. Bon, oui, c'est pas nouveau. C'est
voilà, c'est pas une nouveauté. Hein. On se rappelle du RAM SRT10 avec le V10 de la Viper. Mais c'est surtout qu'en fait, voilà, moi encore une fois, ça me fait rêver. Ils ont sorti la bagnole, ils l'ont présentée en fin d'année dernière. Ils l'ont sortie, enfin même pas milieu d'année dernière. Ils ont dit qu'ils allaient en faire une série limitée de 3000 exemplaires. Ouais. Ils ont officialisé la commercialisation il y a trois mois. Donc on est en quoi ? On est fin janvier. Donc ça veut dire début novembre. Ils ont dit allez, c'est bon. Maintenant vous pouvez venir acheter la bagnole. Sachant que là-bas, elle est vendue à 82 490 $. Donc j'ai calculé, ça fait 67 900 €. Donc grosso modo, le prix de la dernière Golf Air avec un peu d'options et la taxe CO2. Oui, voilà, surtout la taxe. Pour le prix d'une caisse de 400 mètres, là-bas, bah, tu t'achètes un Dragster de plus de 700 chevaux. Et puis, bah, bien entendu, aussi, sûrement. Ouais, voilà. Et puis, bien entendu, bah, tu me diras, la Golf Air, à mon avis, ça doit quand même flirter avec une tonne et demie, 2, une tonne 6 maintenant. Mm. Et bah, écoutez, c'est simple. Ça prouve quand même que malgré ce qu'on dit, bah, les Américains aiment toujours la bagnole, puisqu'en 3 mois, bah, ils ont tout vendu. Ah ouais, mais ça ne m'étonne pas, hein. 3 mots au catalogue, 3000 exemplaires, emballé, c'est pesé, allez Titi, tu peux tirer le rideau, c'est fermé, la voiture, toutes elles sont vendues. Voilà. Donc en 3 mois, ils ont écoulé les stocks. Donc nous ici, ça doit encore faire gueuler les écolos dans leur chambre, là, qui disent, mon Dieu, c'est pas possible, mais qu'on lui foute le feu. Ben non, là-bas... là-bas les en même temps, c'est pour aller chercher le Cherokee Trackhawk, hein. Il était un petit peu tout seul, le PPR, là, sur son segment. Là. Ah ouais. C'est clair. Il fallait bien sortir quelque chose. Hein. Bon, je pense que tu as NC, tu as tous les préparateurs après qui vont se pencher sur son cas et qui vont sûrement y faire. Parce qu'en fait, NC a présenté aussi en parallèle une version. Le lac d'Annecy Non. Ils ont présenté une version. Ah ouais, putain, je suis chaud. Tu rames avec le même moteur. Ah oui, je rame, oui. Oui, ce soir, je rame un peu. Et le truc, il sort quasiment 1100 chevaux, quoi. Ah oui, quand même. Ça doit commencer à ouater, ouais. Ouais, c'est celui qui vient de sortir, là, le Ram TRX, celui qui va chercher sur le terrain du Ford Raptor, un petit peu, qui a la même gueule. Ah, c'est ça, exactement. Mais bon, ça. Il est très chouette aussi. Hein. Ouais. Bon, sinon, bah, écoutez, un petit hommage aussi, là, vite fait. Alors, bon, je vais vous demander peut-être que... Est-ce que vous savez qui c'était, ce qui nous a quitté cette semaine, Jerry Wigert? Non. Le premier qui en me dit... En deux mots? Ouais. Jerry Wigert. Bon, bah, vous allez avoir la réponse en image qui va défiler devant vos yeux. C'était un homme? C'était un homme. Oui. Bah, c'est lui qui a créé la marque Vector. La marque Vector. Vector. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Et il nous a quitté donc la semaine dernière. Oh putain, c'est quoi cette bagnole? Les Vector, c'était des trucs. C'était quelque chose, les Vector. Hein. Ouais, la toute première, c'était la W8 Twin Turbo, qui s'inspirait de la technologie. Des avions de chasse, etc. L'engin, je crois que sa version la plus débile, elle flirtait avec les... Moi, je sais qu'adolescent, j'avais lu un article sur cette bagnole et ça m'avait marqué, quoi, de lire des specs à un tel niveau. Parce que je ne sais pas de quand date la W8, 89. La voiture a vu le jour. Je crois que le propriétaire le plus connu, c'était André Agassi. Ouais. Qui a vachement fait pour que la caisse se vende et faire de la pub. Et puis après, ils se sont un peu assagis avec... Sur la M12. La M12, ouais. Qui était... je crois qu'il avait récupéré un concept. Alors, je ne vais pas dire que c'est le concept de la Diablo. Puisque la Diablo, en fait, c'est celle qui avait donné naissance à la Chisetta Marauder. Ouais. Mais on n'est pas loin hein, de la Diablo. Alors pareil, j'avais fait un article dessus. Et c'est, en fait, c'est quand on parle de ce genre de bagnole que je me rends compte qu'en fait, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, quoi.
plus on écrit sur les bagnoles et, C'est tout à fait. Je m'en rends compte de plus en plus. Toute notre mémoire, elle est sur le site, elle n'est pas dans notre tête. Hein. Ouais, c'est ça. Y a tellement d'articles, c'est sûr qu'il faut se rappeler de tout, quoi. En fait, à l'époque, Uyghur avait revendu Vector à un groupe indonésien qui s'appelait Megatech et qui était dirigé par le fils du président de l'Indonésie. Et je crois que ce groupe malaisien avait été en charge justement de Lamborghini. Et c'est à l'époque, c'est l'époque où Megatech a racheté aussi Lamborghini. Et ils n'ont fait ni plus ni moins que de reprendre le concept de la Diablo qu'ils ont rhabillé avec une nouvelle carrosserie. Donc, c'est le même moteur, hein, c'est le V12 487 de la Diablo qui lui donnait des perfs assez impressionnantes. Mais on était quand même vachement loin des specs que pouvait afficher la W8 Twin Turbo qui a vraiment marqué les... Et elle a une gueule, c'est d'un autre monde, quoi. Ah ouais, pour moi, la W8, c'est la vraie rivale de la Countach, tu vois. Ouais. Ah bah c'est so 80s, quoi. C'est délicieusement kitsch. Voilà. Alors, ils ont reproposé une remplaçante qui devait s'appeler la SRV8. Et là, ils étaient repartis sur un V8 de Corvette. C'était au début des années 2000. D'ailleurs, vous remarquerez que, alors, de cette bagnole a abouti un projet qui était quasiment définitif, qui s'appelait la WX8. D'ailleurs, si vous regardez les photos, vous remarquerez la provenance des phares à l'avant. C'est Supra, non ? Ouais, c'est des phares de Supra. Ouais, ils avaient à l'époque, ils avaient plus trop de thunes, donc ils sont allés piocher un peu les pièces et les équipements chez des fabricants pour essayer de limiter les coûts. D'ailleurs, on le voit sur la photo où elle est de profil. Je pense qu'ils ont dû avoir honte de que les gens reconnaissent aussi facilement les phares de la Supra. Ils avaient mis des genres de paupières pour essayer de cacher le truc. Bon, là, ils étaient retournés dans un truc, mais complètement mégalomane, où ils parlaient d'un Big Blood de 10 litres, biturbo, où ils avaient annoncé 1800 chevaux. Ah oui. Et puis, en fait, à part les quelques protos qui... je crois, n'ont jamais été capables de démarrer. Et les seules fois où ils ont dû rouler, c'est quand on les poussait. Ça en restera là, ça n'ira jamais plus loin. C'est dommage. Wiggert, un bon starbé dans le milieu de la bagnole. Ouais, justement, à l'image des mecs comme Chiesetta Moroder, Giorgio Moroder, ou même un mec comme Ferruccio Lamborghini, qui ont donné naissance. Alors après, il y en a qui ont connu plus ou moins de réussite. Mais je voulais quand même qu'on aborde cette marque qui... CQ putain de FD. Voilà, CQ putain de FD, exactement. Bon, on va enchaîner avec la sportive la plus tendance actuellement. C'est même assez paradoxal, c'est qu'elle cache un 3 cylindres sous son capot. C'est la petite Toyota Yaris GR. Oui. Là, tu as mis la version HKS en plus. C'est pas ouais, quoi. Alors justement, je n'ai pas voulu parler de la voiture d'origine qui... D'ailleurs, je fais un petit pompe-up à notre pote, pas de panique, puisque là, ils ont finalisé l'élection de la voiture de la sportive de l'année chez Motorsport. Et Pat a posté une petite vidéo hier où il disait qu'ils ont tous été un peu surpris par le niveau de la Yaris GR et qu'elle a ses chances pour remporter. Non, mais c'est unanime. C'est unanime. De toute façon, tu écoutes tous les journalistes, tous ceux qui l'ont essayé. Même il y en a qui sont allés signer le bon de commande, malus ou pas malus. Ils sont allés signer, ils l'ont pris dans les mains, ils ont dit hop, je l'en veux une tout de suite. Combien ? Je signe, il n'y a pas de problème. Combien le malus ? 10 000 euros, c'est pas grave, je signe quand même, donnez, envoyez. Ouais. Je sais pas combien il y a d'attentes maintenant sur cette caisse, mais d'ailleurs j'en ai croisé une pas plus tard que ce week-end, tiens. Ah ouais ? Et c'était pas un modèle d'essai ni rien, c'était un mec qui avait acheté et puis voilà quoi. Alors moi tu vois, elle me fait penser à la... Quand je vois un peu l'engouement qu'il y a autour,
Ben, je sais pas ce que tu en penses, ça me fait penser à la Focus RS, mais la MK2. Ouais, bien agressive, bien large. Ouais. C'est ça. Moi, ça me fait vraiment penser au truc bien bestial. Bien... Parce que bon, elles ont pas de... Enfin, si, la Yaris, elle court en WRC, et même la Focus, hein, je crois qu'à l'époque, elle a couru en rallycross. Mais je trouve que voilà, moi, cette bagnole, elle me fait penser à ça. Alors, à peine sortie, il y a déjà Toms. Donc là, on voit sur la photo la version noire, kit large. Donc, Toms s'est occupé de son cas avec kit complet, des gens 13, des G025. Il y a de son côté, il y a un préparateur qui s'appelle DTE Systems qui, lui, s'est amusé à aller lui tirer 300 chevaux du 3 cylindres. Donc, on est à 100 chevaux cylindres, quoi, en fait, le ça truc. Ça commence à faire un peu beaucoup, là. Et donc, il y a cette version HKS. Au bout de 5000 bornes, ça va ressembler à Tchernobyl sous le capot, fusion du cœur du réacteur. Moi, j'attends de voir quand même au niveau fiabilité, mais enfin bon, je me dis encore, ça serait une autre marque que Toyota, je craindrais un peu plus, tu vois. Bon, Toyota, ouais. C'est réputé fiable. Ouais. Voilà, je pense qu'ils maîtrisent le truc. Et donc, HKS s'est amusé donc, à sortir un kit ultra perf, donc celle qu'on voit là avec ses couleurs de guerre, là. Elle sort 375 chevaux. Ils y ont rajouté un kit NOS pour lui donner un boost de 100 chevaux. Oui. Il faut quand même savoir que telle qu'elle est, le bébé, il a tourné sur Tsukuba à 58,4 secondes au tour. Ça veut dire qu'il fait mieux que la Nismo GTR, qui se prend quasiment une seconde dans les rotules, quoi. Quand même. Ouais. Ah oui, ça fait quand mal. Même. Bon, la Nismo, elle est street légale. Hein. La Yaris HKS, elle ne l'est plus. Hein. Ouais. Et encore. Ouais, et puis encore. C'est pas le même châssis, c'est plus vif, quoi, aussi. Ah ben oui, l'empattement est plus court, mais enfin, quand tu prends les quatre roues motrices et tout, non, moi, je pense que, putain, ils ont dû faire... Moi, je serais honnêtement curieux, ouais, de l'essayer. Je pense qu'en termes de grip, ouais, et de sensation, ça doit quand même envoyer du pâté, quoi. Ah ben alors, ça doit... pas pardonner parce que les limites elles doivent être tellement loin que si tu les franchis bah tu les rattraperas pas, quoi. Je pense que en plus de ça, je pense que c'est une caisse qui est vachement joueuse malgré ses quatre roues motrices et malgré à mon avis, hein, de mon avis, je pense que c'est la caisse ultime du moment. Qu'il y a pas, je pense que en termes de rapport qualité prix, de poids puissance, de tout, en fait, je pense que c'est la caisse sportive du moment. Il y a pas, je pense qu'il n'y a pas à tortiller du cul. Faut pas oublier que le gabarit, il joue vachement dans les sensations. Enfin, je veux dire, quand tu roules dans des caisses puissantes, mais tu sais, bah voilà, comme des GTR, des caisses qui font quand même un certain gabarit, qui pèsent un certain poids, ça a tendance souvent à gommer les sensations. Là, ça reste quand même une Yaris à la base, hein. Donc, je pense qu'en termes de dressage de poils, ça doit vite faire son effet, quoi. Puis bon, on connaît Toyota, ils aiment ça, ils aiment les voitures un peu joueuses, un peu. Ça faisait longtemps, hein, qu'on attendait qu'ils se lâchent un peu sur la Yaris, hein, parce que bon, faut dire que les premières. Ça fait 20 ans qu'ils font baisser leurs émissions. Maintenant, ils s'annulent. Eh oui, oui. Ouais, puis je pense qu'il y a la place maintenant pour ce genre de bagnole, parce que finalement, une grosse partie des constructeurs sont en train de lâcher l'affaire des. De entre guillemets ce genre de super GTI, hein, je sais pas comment il faut appeler ça. Il y a plus la 206. Bah, sur le créneau, elle est seule en fait quand il réfléchit. Ouais, enfin, à ce niveau-là, il y a rien, hein, parce que ce gabarit, les mecs, ils s'étaient arrêtés à 200-210 chevaux. Je crois que la plus puissante c'était l'Audi A5, c'est ça, combien elle sortait, 240 chevaux. L'Audi A5, presque 300 même. Ah, je suis pas sûr qu'elle soit aussi haute que ça. Je sais pas, il faudrait regarder là dans les commentaires. Là, on doit bien avoir Audi A5, 231 chevaux, voilà. 231 chevaux et 370 Nm de couple. Bon, là, avec la Yaris, ils sont, mais c'est surtout au niveau du poids. Enfin, je pense que ça doit quand même. Non, moi, je trouve que ouais, c'est une bagnole qui est assez bandante là en ce moment. Ouais, ouais. Après, en termes de prix, c'est quoi? C'est 40 000 balles? 30 et quelques mille balles, non? Aucune idée. Je sais avec pas. Un plus. Bah, ouais, si tu ouais. Rajoutes le bonus, on l'avait vu. Ouais, il faudrait que je reprenne l'émission de la semaine dernière. J'avais donné le prix. Mais ouais, le bonus, je crois que c'était 9 000 balles, je crois, hein, qu'elle se prenait dans les dents. Hein.
Le malus. Ouais. Bah, ça commence à... 600 euros. Alors après, est-ce que c'est avec ou sans malus? Ah, c'est sur l'Argus. Bon, c'est sur... À mon avis, c'est 100. Hein. C'est 100, 100, 100. 100 de malus. Donc, Ça fait 45 000, quoi. Ouais, 43 000 avec le malus. 43 400 euros. Bon. Ça picote. Ça fait 7 000. Mais, mais ça se vend quand même. Tu vois, preuve qu'il y a encore des gens qui sont prêts à débourser, des sommes d'argent pour des bonnes bagnoles qui pour s'éclater, quoi. C'est... Après, quand tu peux, pourquoi pas, au contraire. Quand tu peux, au contraire, pourquoi pas. Puis comme je te disais, je pense que comme la Focus, c'est une caisse qui ne va pas décoter. Comme ils arrivent à maîtriser le marché sur les délais sans non plus... c'est une caisse, tu verras que ça va descendre au maximum à 28-25 000 balles. Et puis hop, la cote, elle va remonter. Quoi. Ouais, puis, moment, ouais, parce que de toute façon, il ne va pas y en avoir non plus tout le tour du ventre. Hein. Non, c'est ça. Ouais. S'ils en vendent 100 ou 200 en France, on verra. Mais... On va vite fait, avant de passer au classement, souhaiter un anniversaire. Putain, ça passe vite, rendez compte, déjà 22 heures. Mon papy, il est fatigué, ça. J'allais la faire. Tu m'as coupé. Ah, justement, vanne. J'anticipe maintenant avant que tu me les envoies dans les dents. Ah oui. Ouais, puis j'ai mon Lucra à mettre avant d'aller me coucher aussi. Et donc, tu mets où? La pommade, c'est la pommade avec le doigt. Je t'envoie une photo. Ouais. Donc voilà, on a un anniversaire à fêter. Donc cette année 2020, c'est les 40 ans de la DeLorean. Anniversaire. Ouais. Et c'est plus vendezvotrevoiture.fr. Ça, c'est le même ton, tu vois. Non, il se prépare pour aller bosser chez Flunch. C'est lui qui appartera donc, donc la DeLorean de fête cette année, c'est 40 ans. Et ils vont sortir, donc DMC va présenter une version 2021. Donc un revival de la DeLorean. Alors, moi, je ne sais pas où, mais moi, ça me fait peur. Voilà. Parce que pour moi, la DeLorean, elle est tellement mythique, tellement légendaire, que ça pue encore la bagnole électrique. Ça va être une Duracell. Ouais. Bon, encore... bon, tu me diras, avec le délire de Retour vers le futur 2, bon, tu te dis pour aller justement... Quoi que c'était en quelle année? C'était 2015, Je crois, ouais, c'était 85, 2015, je crois. Ouais, donc pour aller en 2015, bon, ils étaient un peu dans le vrai, quoi. Mais ouais, voilà, comme dit Bruno, ouais, je pense que ça va être de l'électrique. En fait, ça me fait un peu penser, moi, je me suis fait piéger comme un con, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Non, c'était il y a 2 ans, quand Bugatti a présenté à Genève la voiture noire. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais, vous avez buzzé Je me souviens, elle était noire. Voilà, exactement. D'ailleurs, les mecs du marketing, ils avaient été forts sur ce coup-ci. Hein. Ouais. Ils avaient buzzé comme des fous pendant des mois en parlant de la fameuse Bugatti Atlantique, du fils Bugatti qui avait disparu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, honnêtement, je m'étais fait prendre au jeu parce que bon, pour moi, la Bugatti Atlantique, c'est une des plus belles bagnoles qui existent. Et je m'étais dit, putain, s'il faut un vrai revival basé sur la Bugatti Atlantique et qu'ils le réussissent, ils vont sûrement faire la bagnole la plus belle qu'on ait vue depuis des années. Donc, j'étais chaud comme la braise, j'ai buzzé comme un fou sur le site en faisant des trucs. Attention, vous allez voir les photos. Et puis finalement, quand ils ont sorti leur putain de voiture noire avec ces 18 pots d'échappement à l'arrière et sa ligne qui n'était rien d'autre qu'une Bugatti un peu tuningée, ça m'a déçu. Donc, j'ai un peu peur, en fait, que ça me fasse pareil avec cette DMC DeLorean de version 2021. De dire, putain, la base est bonne. Il y a vraiment un gros délire à se taper. Et puis, finalement, j'ai peur qu'à l'arrivée, ça fasse un peu comme quand tu sors le soufflet du four, tu vois, qu'il y a tout qui se casse la gueule, quoi, après. Eh ben, ouais. Donc, on vous tiendra au courant. Je suis l'info. Et puis, dès que la nouvelle DMC 2021. À noter aussi, je ne vous en ai pas parlé, j'en parlerai sûrement dans un article bientôt, il y a un designer qui s'est amusé à... On comptait en parler dans une émission passée, puis on n'a pas trop eu le temps de parler, on voulait faire une spéciale revival, autant on la fera la semaine prochaine.
Oui. Y a un designer, je crois, hollandais, qui a imaginé une version moderne du Ferrari Bread Van, donc ce fameux, c'est une 250 pseudo GTO qui a été revue par Drogo avec des ingénieurs. Enfin bref, l'histoire elle est un peu rocambolesque. J'avais fait un article dessus sur DLEDMV. Et ils viennent de faire une version 2021 aussi de cette Ferrari, entre guillemets, un peu mythique, sur base de 575 Maranello. Voilà. Et en fait, la voiture a été finie ces jours-ci, puisque les premières photos officielles sont sorties cet après-midi. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur Google. Et dans les jours à venir, je vais me pencher sur le cas pour vous raconter l'histoire de la voiture sur de l'essence dans mes veines. OK. Voilà, messieurs, bah, écoutez, 22h bientôt pétante, je vous invite à passer au classement, si ça vous va. Passons au classement. À moins que Julien, tu veuilles nous raconter une petite blague avant de passer au classement, ou une petite chanson. Alors, c'est l'histoire de deux putes dans un ascenseur. Non, non, ça va. Pour deux non, c'est plus, bon, ça. Bon, d'accord. On va se faire bannir. Bon, alors, bref, le classement, donc. Classement. Bon, alors vous avez vu, j'ai promis ce que je vous ai dit la semaine dernière. Il y a du lourd, il y a un truc au milieu bizarre. Voilà, alors je vous ai sorti un peu de l'utilitaire. C'est de pire en pire ce classement. La semaine prochaine, je ne sais pas avec quoi on va se retrouver, mais alors... Les trottinettes électriques, on va faire c'est quoi ça. Donc, bon, et on va commencer par... Bah, on va commencer par la gauche. Par le C15. Ouais, ok. Une légende. Tiens, on va le mettre alors, à droite. D'ailleurs, tiens, d'ailleurs, pourquoi C15 ? Tiens, voilà, je me suis amusé. Tiens, chaque bagnole, je vais vous demander pourquoi il s'appelle le C15 ? Parce que ça rentrait dans la gamme, parce qu'il y avait le C25, l'utilitaire moyen, et le C35, le plus gros. Ouais. Donc, le C15, petit. Pourquoi le chiffre, en fait ? Et 15 mètres cubes ? Ah bah non, ça fait petit pour 15 mètres cubes, ça. Ouais, ça fait non. Et si alors, on s'en fout, non ? Ah, Bruno, il connaît. Bruno. Ah, vas-y. Pour le poids. Le poids, 15 tonnes ? Non, 1,5 tonne, mais bon, c'est 1,5, ça faisait un peu. Donc du coup, ils ont fait T15 pour 1,5 tonne de charge. Mais il avait raison. Bruno a raison. C25. Bravo, Bruno. Exactement. Donc, le C15 est là avec nous ce soir. On peut lui donner la parole. D'ailleurs, salut C15, comment tu vas ? Ça va et toi ? Voilà, bon, ben, merci d'être avec nous. Moi, c'est marrant, je ne la voyais pas du tout comme ça, moi, sa voix. La voix du C15. Ben, ça fait... ouais. Moi, je crois que le C15, il parle plutôt comme ça. Ouais, voilà, mais, je connais plutôt le vieillard des choix, à moustache, tu vois, avec le gilet de chasse qui n'a jamais été lavé, tu vois. Et les chiens derrière qui aboient, non ? C'est pas ça. C'est ça, ouais. Tiens, les gars, vous avez mis une heure à vous réveiller quand même. Ah, mais le C15, ça inspire, en fait. T'as eu raison de mettre ça, en fait. Hein. Non, mais je l'ai mis parce que Julien, la semaine dernière, nous a dit, si tu mets le C15, moi, c'est direct une légende. Bah oui, mais moi, mais carrément. Mais attends, ce truc-là, c'est une légende. Comment il a pu tenir aussi longtemps ? Alors, le machin, c'est une antiquité à l'intérieur, à l'extérieur, machin. Il le vendait encore, il a été vendu pendant 30 ans. Alors, peut-être pas tant, mais... Il est dérivé de la Visa. Non, ouais. Pas loin. Il a été commercialisé de 84 à 2006. Ouais, oh la vache. Voilà. Ouais, mais oui, mais oui. Deux ans de carrière et ils en ont sorti plus d'un million, 1,1 million exemplaires. Si ça, c'est pas une légende, je sais pas ce que c'est. Hein. Ah, c'est franchement. Maintenant que je sais, ouais, c'est une légende. Bon. Ou dans mon garage direct. Le truc, c'est increvable, quoi. Bon, c'est allez, moi, je te suis dans le délire parce que j'imagine le mec qui va découvrir l'émission la semaine prochaine. alors, en 3E30, C15. C'est quoi ces mecs ? Ouais, moi, je te suis la légende. Allez. Mais ouais. Plus, maintenant qu'il y a Stellantis, la semaine prochaine, on va sûrement le relancer avec le L4 sous le capot. Ah, du mais... coup, ça peut être vraiment pas mal. Tu as vu, il y a trois semaines, on a parlé de la Renault 5. La semaine d'après, Renault a annoncé le retour de la Renault 5. Ouais, mais aujourd'hui, on parle du C15. Hein. Tu verras que Tavares, là, la semaine prochaine, il annonce, écoutez, ça y est, on va vous... Comment, la Peugeot Lution, c'est ça, la Peugeot Lution, voilà. C'est la Citro Lution, et il relance la C15.
En plus, l'Altavarez, tu l'as chauffé en encensant la Yaris, donc il va nous sortir un C15 à 4 roues motrices avec une boîte séquentielle, 7 rapports et tout. 3 cylindres, 8 turbos, 320 chevaux. Alors par contre, autant on a déjà vu des prépas de port sur des berlingots, sur des kangous, machin, autant j'ai jamais rien vu sortir sur un C15, ça me paraît bizarre. Bah il faut que tu cherches. Faudrait fouiner un peu, voir si on cherche, si on trouve un truc. Tu peux y mettre le 1.6 de la GTI, doit passer, hein, puisque c'est une base de Visa. Hein. Mmh. Donc la Visa GTI, elle avait le 1.6 déjà. Oh, le 14, la X-Sport aussi. Ouais, le moteur X-Sport. Mais moi, je pense qu'un petit TCT là-dessus, là. Ouais. Ou un 2GZ. Ça peut être non, ça. Mais tout de suite, tout de suite, tu vas trop loin, Greg. Il faut rester cohérent. Un V8 un téléphant. Ah, bah, parce que ou alors un 2JZ en position centrale arrière, ouais. Il y a de la place, là. Dans le coffre. Voilà. Ah, voilà. Je vous propose de passer... Enfin, bon, on n'a pas fait le tour des votes, mais est-ce que tout le monde valide la légende? Non. Voilà, forcément, voilà. Forcément. En fait, il manque une catégorie. Hein. Oui. Dis-nous. C'est se rendre à la déchetterie avec. Bah, c'est, ouais. Ah. C'est l'attelage, après, je crois. Ça peut rentrer dans l'attelage. On va dire que c'est l'attelage et la caravane, quoi. Ouais, allez. Bah, moi, je mettrai ça. D'accord. Parce que le nombre de personnes qui s'en servent... Alex. Non, mais... Trop pragmatique. Moi, je dis une légende, ouais. Légende, parce qu'on en voit partout. C'est le truc... c'est une icône. Ben ouais, c'est ça. C'est la France. On va finir de croiser. On va en voir encore rouler pendant des années, hein. Le C15, c'est la France, les gars. Tous les chasseurs ont ça, tous les artisans. T'en vois partout, ouais, c'est un truc de fou. Je voulais pas vous faire le coup du C15 Renault Express. Donc, du coup, je suis passé sur le Kangoo Express. Car il faut savoir que le Renault Kangoo, c'est le Ludospace. Oui. Et l'utilitaire, son vrai nom commercial, c'est Kangoo Express. Exact. Ah bon. Et justement. Pourquoi Kangoo? Mais on s'en fout, non? Non, mais tu vas pas la faire à ta bagnole, quand même. Pourquoi ils l'ont appelé Kangoo? Bah, c'est Monsieur Kangoo qui l'a décidé, non? C'est pas ça? Non. Ah, si, Jean-Louis Kangoo. Jean-Louis Kangoo. La réponse est logique et pertinente, mais je suis désolé, elle est fausse. Pour Kangoo? Non, elle n'a... Non. C'est parce qu'à l'époque, ils venaient de sortir la Twingo. Ils étaient dans un mood qui coulole au marketing chez Renault. Donc, ils ont inventé les noms des bagnoles par leur gamin de 3 ans. C'est pareil. Très bonne déduction. Qui l'ont dessiné. Et... C'était bien tenté. Hein. C'était pas mal. Elle est venue loin, mais l'arrivée était plus... Non. J'ai l'impression d'être aux grosses têtes, au sérieux. En fait, c'est grave. Je sais pas pourquoi Kangoo. Bah alors pourquoi tu demandes? Parce que que l'un de vous le savait. Bah là je suis déçu, hein. Moi je m'attendais à une révélation. Mais moi aussi, tu nous fais un gros suspense, mais pour rien en fait. Je suis déçu. Hein. Du coup, vous la mettez où elle? Pour caravane. Hein. La légende, hein. Là, là moi aussi je la fous avec la caravane. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bon, je crois. Et les autres, Alex? Elle va nous dire une légende. Alex, elle va à la déchetterie, elle. Elle a trop de trucs à jeter. Paris-Monaco. C'est clair. Allez, je vous suis. Bon, allez. Quoi, tu peux enlever une MILF avec, mais je te dis pas la gueule de la MILF. J'ai hésité, Elle est sponsorisée par la Cotorep, hein, avec un. Elle a des bornes avec ça. Ah. Moi, le Kangoo, à titre personnel, je le place dans Sava Kéké, parce que dans ma jeunesse, j'étais chauffeur-livreur dans Paris Intramuros avec un de ces bonides. Et comment dire, mon style de conduite, j'ai dû laisser un mauvais souvenir à pas mal de monde. C'était une bonne caisse de Kéké. Franchement, un vaillant diesel 65 chevaux atmosphérique, là, et sur lequel j'avais pété tous les supports moteurs à force de faire des burns au feu rouge. Elle t'a marqué. Ah ouais, c'est... elle restera toujours dans. De toute façon, les livreurs, c'est tous des fous. Moi, j'ai fait 10 ans de livraison, donc je peux en parler aussi. Tu vois, les aigles de la route, on se reconnaît. C'est ça. Après, je suis passé au master frigorifique. Là, c'est un autre cas. Oh putain, c'est le même niveau, là. Là, on parle de Monaco, là, c'est le high level. Là. Fallait juste quand même pour vous signaler que le Kangoo, malgré tout,
ouais, ça vous fait peur quand j'attaque mes phrases comme ça, mais malgré tout, on disait le C15, plus d'un million. Le Kangoo, c'est 4,5 millions d'exemplaires vendus quand même. Bah alors, c'est plus qu'une légende alors. On devrait le mettre tout en haut là. Oui, non, non, mais c'était, c'est, voilà. Ils, non, mais que, ça prouve aussi l'importance du marché des utilitaires chez les constructeurs, quoi. Parce que, ouais, voilà, mais on ne peut pas le mettre en légende. Parce que tu vois, le C15 et Youngheimer, mais pas le Kangoo. Voilà, oui, en plus, ouais, c'est vrai. Hashtag, c'est pas Young. Non. C'est pas Young, c'est pas Young. Et justement, c'est pas Youg. Oui, t'as raison, c'est pas Youg. En parlant de Youg, la Méhari. Ah, j'adore. Dans la mon garage direct. Bah, alors, pour le V1000, frère. Justement, alors, justement, je vais vous poser une question qui va un peu changer. Alors, pourquoi Méhari ? Le nom Méhari. Pourquoi Méhari ? C'est le mec qui s'est fait chier en préparant l'émission en disant qu'est-ce que je peux leur trouver. Pourquoi Méhari ? Bah, c'est Monsieur Méhari. Ah, pour cette fois, c'est... Non. Ah. Ah, bah, il est plus là. Ça n'a rien à voir avec... Voilà, pour la soirée, on ne saura jamais. Ça n'a rien à voir avec l'inspecteur. L'inspecteur Méhari. L'inspecteur Méhari. Mais non, c'est... Comment dire c'est le nom des chameaux ou des dromadaires avec lesquels ils faisaient les caravanes. Voilà. Une bosse ou deux bosses alors ? Et comme c'est une voiture qui a été conçue dans la France éternelle du général, on pouvait faire encore des références aux colonies et tout, donc ils l'ont appelé Méhari. Voilà, donc Méhari, en fait, en arabe. C'est un puits de science, Martin. Petit point culture. Hein. En arabe, ouais. Dromadaire se dit Mahari. Ah. Mahari, ça sonnait pas trop. Ils ont rajouté un E, ils ont fait le Méhari, la Méhari. D'accord, bravo. Alors, par contre, paradoxalement, elle n'a pas eu un grand succès commercial, la Méhari. Il ne s'en est vendu que 145 000 exemplaires. Ouais, bon, en même temps, tu n'allais pas en voyage avec. Hein. C'était des voitures locales. Par contre, à mon avis, tu rajoutes toutes les répliques qui se sont faites après sur des châssis de deux chevaux. À mon avis, tu dois presque doubler le chiffre. Parce qu'elle s'est presque plus vendue en réplique qu'en neuf chez Citroën. Et ça vient de quand c'était vendu, ça ? Alors, la Méhari, ben, elle est toujours vendue, hein, puisque aujourd'hui, c'est le club Méhari de Cassis, 80, qui, non voilà, qui refabrique la voiture sous licence. Hein. Ils ont récupéré tous les outillages, voilà. Ils font de la pièce. Les moules, ils ont tout racheté, ils continuent. D'ailleurs, c'est eux aujourd'hui qui dépannent les anciennes voitures. Et la Méhari, elle est sortie, si je ne dis pas de conneries, en 68. Et elle a quitté le catalogue Citroën en 87. Donc, quand même. Hein. Ouais, 20 ans quoi, de carrière. C'est une deux chevaux. Hein, voilà, c'est une deux chevaux, châssis de la deux chevaux. C'est le deux pattes de la deux chevaux. De, je crois qu'elle a 29 chevaux sur la Méhari. Donc, bon, mais bon, par contre, c'est une caisse qui est hyper fun. Quoi, je sais pas si... ah, c'est génial. On avait une quand j'étais petit. Donc, je sais pas, moi honnêtement, pour moi, c'est dans mon garage. J'aimerais bien avoir une caisse pareil, pour aller chercher le pain le week-end ou pour aller faire des petites balades pas trop loin, tranquille. Exactement, ouais. Moi je la fous dans mon garage. Ouais, pareil. Ouais. Moi j'ai pour lever une MILF. Ça peut marcher. Ah ouais, c'est une grande MILF alors. Hein, parce que... Ah non, non, ouais, une grande MILF. Une arrière grand MILF. Chemise ouverte, une petite chaîne en or, des rébans. Oh, ouais. Peut-être aller chercher l'héritage. En port de plage, là, pour aller au surf, tu achètes ça, là. Alors, ouais, c'est vrai que ça dépend de l'endroit où tu te mets avec la bagnole, en fait. Parce que si tu vas à Saint-Tropez avec ça, par exemple, tu vois, là, tu peux lever et pas que de la MILF, à mon avis. Ouais, avec ça, tu ramènes Brigitte Macron. Hein. Par contre, si tu vas à Saint-Ouen-l'Aumône, ça va un peu moins bien marcher, quoi. Ouais, au surf, mieux pense, pour ouais. Mais 45 AMG, quoi. Mais, ouais, voilà. La seule chose que tu vas lever, c'est une bronchite, quoi. Ouais, voilà. Bon, alors, vous dites garage, c'est ça vous dites ? Moi, je la mets dans garage. Mon garage, ouais. Moi, je reste dans mon garage. Ouais. Et Alex ? Moi, je dirais petite route parce que j'ai de très bons souvenirs dans la région aixoise où on se faisait des petites sorties sur des petites routes et j'adorais. Donc, je resterai sur les petites routes. En Méhari ? C'était en Méhari ? Ouais. C'est elle me dit non, en Renault 5, connard. Pourquoi ? Je vois pas le rapport. D'accord, donc deux garages, une petite route, Greg. Une toi, ton souvenir, hein, tu t'es fait choper par ton oncle sur la banquette je de la Méhari. Je suis jamais monté dans une Méhari de ma vie.
D'accord. Moi non plus. Autant de chevaux, oui, mais Marie, jamais. Alors, en plus, pour apporter quand même du moulin à l'eau de Greg, ce qu'il faut savoir, c'est que la Méhari, l'intérieur est lavable au jet. Oui. Donc, pour pécho une nymphe, c'est pas mal, en fait, quand il réfléchit techniquement. Quoi. Ouais, ça, tu peux tâcher l'intérieur, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, t'enlèves juste les bouchons. C'est pour ça que ça fait une parfaite pièce de plage. Eh ouais, ouais, tu fais ce que tu veux avec. Impeccable. Voilà. Bon, donc on est dans Greg, toi, t'es sur la MILF. Ben, il y a deux garages, une route et une MILF, donc c'est dans le garage qui gagne. Mais ouais. Moi, ah, je suis sur la MILF, oui. Vous changez pas vos votes, non. Et toi, non. Martin, tu es sur quoi? Moi, j'ai un peu le cul entre deux chaises et j'hésitais entre la légende et le garage. Ah, donc toi aussi, t'es dans le garage. Ouais, donc on est sur trois garages, une petite route et une MILF. Non, ouais, c'est... J'ai aussi des souvenirs avec cette bagnole, mon père en avait une. Bah, vraiment, c'est vrai que pour le coup, la légende, c'est oui, aussi. Hein. Oui, la légende tu... aussi, mais autant tu vois, j'aurais quand même moins de mal à avoir une Méhari dans mon garage qu'un C15. Quoi. Oui, c'est sûr. Ah. Donc, bon, bah alors, trois garages. Avec une bonne disqueuse, tu peux faire une très belle Méhari à partir d'un C15. Aussi. Aussi. Ouais. Il suffit d'avoir un peu d'imagination et un coup de main. Quoi. C'est... Alors, moi, quand j'étais gamin, mon père avait la concurrente de la Méhari. Une Rodéo Renault. Ouais, il avait une Renault Rodéo. J'ai de mauvais souvenirs dans cette bagnole parce qu'en fait, il avait, enfin, sans vous raconter ma vie, il avait vendu une boulangerie et il en avait fait une autre. Ouais, mais c'est surtout que je suis passé d'une Mercedes W123 à une Rodéo et ça m'avait marqué. Et est-ce que vous savez pourquoi elle s'appelle Rodéo justement? C'est pour ce que tu fais avec les mines. Ça te prend des dodanes? Non, j'en sais rien. Non, mais je pense qu'il n'en sait rien non plus. D'accord. Voilà. D'accord. Non, mais je vous la trouverai. Je vous trouverai l'origine du nom de la Renault Rodéo. Promis. Ah, bon, ça va. Mais je ne vous la dirai pas. Bah oui, ça, sans doute. Ah, toi, t'es un fou, toi. Ouais. Toi, t'es un grand malade, toi. Et je vous ferai râler parce que moi, je ne saurais pas vous. Bah, c'est Wikipédia, hein, c'est, on peut regarder. Hein. Non, c'est pas marqué sur Wikipédia parce que je suis en train de l'effacer dessus. Alors, partout, il y a marqué « Je vais tout effacer ». Je ne crois pas. Je suis le seul à savoir, et pas toi. Bon, tiens, comme on parle de Renault, voilà, tiens, comme on parle là, de Renault. Je crois. Oh, putain. Je suis fatigué, en fait, ce soir. Hein. Ouais, ah, ouais, j'ai l'impression. Hein. Bon, allez. Le Renault Espace. Voilà. Alors, pourquoi ça s'appelle Espace, alors? Cette familiale, ben, c'est l'espace F1. Donc, ça veut dire que c'est un truc complètement barré. Renault voulait fêter le titre de champion du monde avec Williams et la FW15C dans 93, donc qui avait été champion du monde avec Alain Prost et Damon Hill. Ouais. Et je sais pas si vous vous rappelez, c'est celle où il y avait les pieds de Sonic. Ouais, sur les côtés. Et donc ils ont trouvé rien de mieux que faire une coque carbone, un châssis un peu débile, un monospace 4 plaques et d'y coller le RS5, donc le V10 de 3,5 litres qui sortait. Alors, les chiffres annoncent entre 780 et 820 chevaux à 12 500. Bon, à l'époque, les specs des moteurs de F1 étaient des secrets qu'il ne fallait surtout pas avouer. Donc, bon, enfin, quoi qu'il en soit, c'est plus de 800 chevaux dans un monospace. La caisse avait été présentée ici, là, au circuit du Castellet, et c'est Alain Prost qui en avait pris le volant, donc ils avaient fait venir les ingénieurs de chez Renault, de chez Williams, enfin voilà, plus les médias. Je fais juste un petit aparté en disant qu'à l'époque, bah, c'était M6 Turbo hein, qui avait un peu les caméras pour raconter donc cette journée au circuit du Castellet. Et elle est ressortie en 2002. Alors, il faut savoir qu'ils en ont fait deux. Ils ont fait un modèle qui appartient à Matra, donc celui qui a servi pour les essais. Et ouais. Ils ont fait une deuxième version qui est chez Renault où il y a deux, trois différences. Les jambes ne sont pas les mêmes. L'aileron a été un peu modifié, qui, elle, appartient à Renault. Voilà. Et ils ont refait une deuxième sortie en 2002. Et là, en 2002, c'était Jean Ragnotti qui était au volant. Et pareil, donc, qui avait fait une démonstration, pour je crois que c'était pour un anniversaire de la marque de Renault. Mais elle est homologuée.
Non, non, pas du tout. Non, non. Mais elle est même pas, enfin, à part faire des journées. Mais elle a roulé trop. Mais je crois que chacun des exemplaires, ils ont dû rouler trois fois. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Et encore, je suis pas sûr même c'est, que le. C'est complètement débile. Hein. Bah, de toute façon, c'est une F1, donc ce qui veut dire qu'avant de la démarrer, il faut le staff d'ingénieurs qui va avec, il faut. Il faut le pilote, il faut. Voilà. Enfin, voilà, c'est pas. Donc, d'ailleurs, tu sais quoi, je sais même pas. Même en procédant par élimination, je sais même pas où est-ce que je la mettrais. Ben moi, c'est ce que j'étais en train de regarder. J'allais dire légende. Bon, légende, non, c'est juste un non, délire. Ouais. C'est pas une légende. Dans mon garage, qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Qu'est-ce que tu veux que je foute d'un V10 de 800 chevaux qui est inassurable, qui doit bouffer de 200 litres au 100? Pour le V9, non. Le Savakeke. Putain, moi j'y mettais. C'est pas homologué, donc tu peux pas. Donnez-moi une petite route, le premier virage, tu te mets au tas. Pour le V1000, il n'y a qu'un siège. Ça va kicker. Je ferai comme Alex, hein, j'irai à la déchetterie avec moi. Ouais, ou alors, le Paris-Monaco, fil de gauche, tu vois. Ah si. Ouais. Ah ouais, alors vite alors, le Paris-Monaco. Moi, ouais, c'est ça, le kiff Paris-Monaco, fil de gauche. Ah ouais, ça doit être. Route fermée alors. Hein. Route ouverte. Ah non, que les mecs te voient débouler, hein. Que les mecs te voient débouler, tu vois, le kéké dans son Q7, là. Tu sais, le mec qui s'est acheté la file de gauche. Ouais. T'arrives avec ça, là, ouais, c'est bon, tu le pousses. Hein. Rien que le bruit, tu vois, le mec, il doit se sentir à un moment, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Et puis, il regarde dans son rétro, tu te déboules avec ça là-dedans. Quand tu le doubles, tu fais perdre 4 dixièmes à chaque oreille. Bon, par contre, à mon avis, tu t'arrêtes tous les 100 bornes, ça doit vider les réservoirs en 100 km. Un truc 100 bornes, t'es gentil. Bah, tu... Tu peux rajouter un réservoir là-dedans, t'as la place. Donc, non, moi, à part Paris-Monaco, fil de gauche, mais vraiment dans le côté délire. Ouais, genre Gumball 3000, quoi. Voilà. En plus, ouais, il y avait le gyrophare sur l'aileron. Ça, pour faire la Gumball, ouais, à la limite. Et alors, les autres, ils disent quoi? Je sais pas. Pareil. Ouais. Pareil. Bah, il y a Koula. Martin. Moi, je reste sur du Savakeke, quoi. Ça va, Kéké. Je te cache pas que j'ai hésité aussi un peu avec le ça va, Kéké. Alors, techniquement, c'est une prouesse, hein. Ouais, il y a un V10 de F1 dedans et tout. Mais bah, ça reste un coup de com' qui sert à que dalle, quoi. Disons que quand tu penses qu'à la même époque, ils sortaient ça pour faire les malins dans la presse et puis ils mettaient à mort Alpine, bon, voilà, ouais, ils auraient mieux fait de faire une Alpine à 610 qui se vende. Qu'il y a un bidule comme ça, tu vois. Ouais, je te rejoins. Ils ont fait ce truc-là, mais ça n'aboutit à rien, quoi. Limite, ils auraient sorti un espace V6 turbo derrière, tu sais, avec 250, 204, un peu comme ils avaient fait le délire de la Safran biturbo. Tu dis, bon, allez. Voilà, mais ouais. Non, là, c'est vraiment, on montre ce qu'on est capable de faire, mais bah, ils ont bien sorti un espace V6, mais alors c'était un veau, quoi. Ouais, c'était un tromblon, le truc. Mais c'est bien une spécialité française, tu vois, de sortir des caisses qui font délirer tout le monde. Et puis une fois, tu sais, un peu comme certaines nanas qui te chauffent toute la soirée. Et une fois que tu les ramènes à la maison et que tu te dis, allez, maintenant, ma cocotte, je vais te salir les cheveux. Tu sais, limite, elle se met à genoux, elle se met à pleurer, tu vois, d'un coup, elle a peur, elle a envie d'appeler sa mère. Et maman, il va me faire mal. Ben non, attends, cocotte, là, tu m'as chauffé toute la soirée, maintenant, tu vas déguster. Ben non. Moi, je trouve que c'est un peu pareil, tu vois. C'est pour ça qu'il faut avoir une Méhari. Comme ça, tu la ramènes pas jusqu'à la maison et en plus, tu nettoies au jet. Ouais, voilà. Moi, c'est réglé, quoi. Plus rapide. Voilà. Ou un C15, comme ça tu la ramènes avec tes copines aussi. C'est ça. Ouais, mais là ça fait un peu kidnapping, quoi. Et tu finis en tôle, voilà. Il y a un petit côté fourniret assez sexy. Ouais, c'est ça, dans la foule. Ouais, bah, attends, tu sais, la drogue du violeur. Bien Glock. Putain, si avec ça on n'est pas banni de Twitch, je vous dis. Waouh, au point où on en est, attends, on n'a plus rien à craindre, les gars, on craint plus rien. Entre la Kangoo, le C15. Le Kangoo aussi, tu peux charger derrière, tu peux y aller, hein. Et alors, je vais te dire, si elles ont moins de 18 ans, tu en mets deux fois plus. Ça dépend si tu les. Ouais. Tu les charges en long, à la limite. Oh je là crois là. Que le Kangoo, le siège avant, il peut se lever. Donc, du coup, ça fait un peu plus de place. Ah bon? Du coup, il est chargé. Il paraît qu'il avait un Kangoo, Marc Dutroux. Mais lui, il les mettait mortes, hein, déjà, dedans. Bah, du coup, il pouvait les couper en morceaux. Du coup, ça prenait moins de place. Oh putain. C'est vrai qu'une bagnole comme ça, c'est quand même pratique quand tu soulèves des meufs qui font pas comme j'aime. Et tu vois, mettre une nana en morceaux dans une bagnole, je rejoins encore une fois Martin, avec le côté pratique de la Méhari, tu peux prendre au jet à la fin, encore une fois. Oh, ouais.
Mais oui, c'est pour ça. Et ouais, c'est vrai que la Méhari, à ce côté de la vache OG, il est nickel. Toutes les bagnoles devraient être comme ça d'ailleurs. Bah, sauf que ouais. Tu peux rien cacher, c'est tout ouvert. Donc, Oh, tu fous ouais. Une bâche. Ouais. Ouais. Ouais, tu dois pouvoir sur le. À l'ancienne. Ouais, tu dois pouvoir mettre un top case, non, sur à l'arrière, la protection sur les pick-up. Mais vous voulez qu'on fasse un débat la semaine prochaine sur la Méhari et le meurtre parfait. Ouais, ouais. La meilleure voiture pour un serial killer, tiens, ça serait sympa. Bah, ça... Ouais, tiens, ah, c'est pas mal. Ils ont passé inaperçu, hein. Bah, ça... Attends, il y a Bruno. Ah, il y a Bruno, ouais. Et là, ça y est, il vient de nous pour le trouver. Ah, donc, il y a une histoire de kangourou. La voiture véhicule l'image du kangourou maternel et qui c'est qui a dit qu'un kangourou c'était maternel et protecteur. Ah, parce qu'il garde son petit dans la poche. Bah attends, mais vous avez jamais vu les reportages sur les animaux quand le kangourou il se fait bouffer par le tigre, quoi. Je vais te dire, il n'y a plus rien de protecteur ou de maternel dans l'histoire. En attendant, c'est moi qui avais raison. Un kangourou qui se fait bouffer. Attends, il y a des tigres en Australie ? Oui, il n'y en a qu'un, il y en a un seul. Il est pas commode. Hein. Il s'appelle Tigrou. Il y a des tigres un tigre en Australie et putain, qu'est-ce qu'il est. Il est méchant. Ah oui, ouais. Il paraît qu'il griffe, ouais. Ah ouais, quand il voit les kangourous, il est pas content. Il fait grrr, comme ça, il leur fait. Il fait comme la Yaris. Il fait grrr. S'il fait grrr comme toi, il doit pas leur faire flipper beaucoup. Hein. Non, ça, c'est ce que tu crois. Ça, tu dis ça parce que t'es pas en face de moi, mais tu me verrais faire grrr devant le micro, je peux te garantir que tu serais tout D'ailleurs, le micro a peur, là, tu vois. T'as pas mis le filtre anti-pop sur le micro, non ? Non. Ah. Anti-pop. Eh oui. Non, j'écoute pas la pop, moi, j'écoute que du rap. Ah ben oui. Bon, ben écoute, hein, on va aller se coucher, voilà, donc ça va être l'heure. Tu vas prendre ton petit Lucra et tu vas aller au lit, toi. Là, on baisse en qualité, hein, au niveau de la vanne. Ah ouais, ouais, mais ça va, ils sont plus vieux à nous écouter, c'est bon, je veux dire. Putain, je vais demander à ma mère de nous écouter la semaine prochaine, on sera un peu plus. Oh putain. Bon ben écoutez, ben voilà. Bon ben Greg, le classement est terminé. L'émission est terminée. Moi je suis terminé. Je vais aller prendre mon Lucra et voir si ma Jaguar, je peux la passer au jet d'eau. Ça m'a donné des idées. Fais gaffe, t'as la batterie dans le coffre. Combien de mille francs mais dans le coffre. Ah oui. J'ai la batterie dans le coffre, j'ai de l'huile qui pisse de partout au moteur. Rouler en anglaise, vous verrez. J'ai marqué. Tu l'as cherché. Hein. Je savais pas pourquoi il y avait marqué Seb sur le moteur. Ça y est, j'ai compris. Là. Seb, c'est bien. Ouais. Demain, on fait des frites à la maison. C'est la Jaguar qui cuit. Ouais. Bah, écoutez, sur ce. Sur ces bonnes paroles. Moteurs. Ah, ça y est, on en a un qui vient d'arriver, mais je croyais qu'il a dû se tromper de chaîne en fait. Il voulait aller chercher. T'sais, il paraît qu'il y a une chaîne où c'est des gays qui parlent de voiture. Ah bon ? Ouais. Ah bon ? Il parle que de MX5. Oula. Ouais. Oh la tac. En dessous de la ceinture. Oh là là. Qu'est-ce que t'as contre la pauvre MX5 ? Non, j'en ai une. Mais je payais pas le coiffeur à l'époque. Bah, tu payes toujours pas aujourd'hui, hein. Donc. Ouais, bon. Ouais. T'as plus de MX5. Ouais, j'ai failli en acheter une de MX5. Ouais, il a failli. Que le mot failli, tu vois, il veut te dire. Du coup, tu l'as pas pris. Non, j'étais avec Alex, on est parti l'essayer, mais c'était un veau, quoi, qu'on ne pouvait plus. Du coup, on l'a rendu, on a dit, c'est bon. Et quand le mec il lui a dit, écoutez, maintenant si vous voulez, on va négocier, qu'il a commencé à lui mettre un petit doigt dans le cul, il a dit, non, c'est bon, ta bagnole, je vais pas te l'acheter, garde-la. Non, je sais même pas ce qu'on a acheté à l'époque, je m'en rappelle plus. Hein, ça ne rappelle plus. T'as pas pris un caniche après, justement. On était où, hein? On l'avait essayé à la Ciotat, la MX5, tu te rappelles pas? Je voulais une MX5, oui, je me rappelle, mais. Je sais plus ce qu'on avait acheté après. Tout dépend où on habitait, c'est ça la question. Ouais. C'est pas là où t'as pris Kiki le caniche, justement. Si, ça doit être ça, ouais. On a pris un caniche. Ah, ça risque pas, les caniches. On a pris un chat et un caniche, juste après. Ah, je sais bien. Bon, bah écoutez, passez une bonne soirée. Bah écoute, toi aussi. Hein. Bonne soirée. Tu nous fais une petite vidéo sur le Lucra, s'il te plaît. Ouais, promis, je vous fais un live.
Je vous fais un live du passage de l'Ukra. Ça marche. Bon, ben, bonne nuit à tous. Hein. Pommade, j'attends qu'il le fasse en suppo, je préfère. Ah non, c'est mieux en pommade. Enfin, c'est plus agréable quand même. Ça dépend. C'est agréable pour celui qui me la passe, moi, en tout cas. Bon, sur ces bonbons, passez une bonne soirée à tous. Ben, merci, toi aussi. Et puis, ben, c'est nous avoir suivis. À mardi prochain. À mardi, à mardi. Ça marche. Ben, moi, je veux bien. Bonne c'est soirée. Bon. Allez, bonne soirée. Salut. Ciao. Ciao.